Envoyez. Très belle et émouvante cérémonie, émouvante parce que les enfants des écoles ont interprété la Marseillaise et également parce que j'ai dû faire l'appel des soldats tombés au champ d'honneur cette année pour la France. Repos. Chaque ville et village de France ayant un monument aux morts, on doit porter sur ces monuments aux morts les noms des enfants de la ville tombée et donc non revenus des combats. À Fécamp, ça n'avait pas été fait parce que, pour des raisons d'économie. Camille Albert, qui avait dessiné le monument, avait dit « moi, je peux vous mettre tous les noms, mais ça va coûter tant ». Et le conseil de l'époque avait délibéré en disant qu'il n'y aurait pas les noms. C'est normalement une obligation et cette année, on revient dans la légalité en imposant de part et d'autre du monument le nom de tous les morts du premier conflit mondial, sachant aussi que sur certains villages, tous les noms n'y sont pas, parce que en fonction des villes et des villages, on y mettait soit les enfants nés. Donc à ce moment-là, il n'y avait que les enfants nés dans le village. Dans d'autres villes et communautés, c'était les enfants qui habitaient dans le village le jour où ils sont partis. Aujourd'hui, à Fécamp, on a fait le choix de mettre tout le monde, les naissants et les résidents. Et on y a ajouté également tous ceux qui sont sur l'état civil de Fécamp, parce que mort à Fécamp. Donc on a des soldats belges, des soldats britanniques et 4 soldats allemands qui, eux, étaient morts de... Il y avait un petit camp de prisonniers à Fécamp et ces 4 allemands étaient morts de la grippe espagnole. Alors effectivement, 2 expos qui se tiennent toutes les deux en mairie. Une dans le hall qui retrace un peu l'historique de la guerre à Fécamp, comment ça s'est déroulé, qui elle a impacté, comment a été financé et érigé le monument aux morts par exemple. Et puis une au fond ancien où là, Yves Devarieux nous a sorti des archives, toutes les coupures de presse, journaux, et on a, pas au jour le jour mais presque, les grands événements marquants de ces 4 années de guerre.